est toujours être là où elle a été. Elle n'est pas si incompétente que ça. Hein. Oui. Alors, c'est qui? Alors, vous étiez avec qui, là? Ah, bah moi, je sais. Ta fille. Eh oui. Oh, ah, félicitations. Alors. Oh, félicitations. Elle a son bac? Faustine a le bac. Ouais. Oh, il a les larmes. Oh, les larmes. Je remercie Isabelle Laville parce que, en fait, ce sont des enfants. Faut vraiment, comment dire, saluer cette école qui s'appelle Diagonale, qui est une école extraordinaire où les enfants qui sont parfois en difficulté, qui sont dyscalculiques, dyspraxiques, etc., on les accompagne. Ah, oui. Et les quatre enfants qui ont été présentés dans cette école Diagonale, qui est dans le 5e arrondissement, ont eu le bac. Ah oui. Ah oui. Et vous n'imaginez pas comme ces enfants se battent pour avoir le bac. Très bien. Et combien ça aurait été... Quelle est la méthode appliquée dans cette école? Ils les accompagnent, ils leur donnent confiance. Ah oui. Et combien... Ah oui. Ils ne les jugent pas. Comment dire? Et combien... Ah oui, vous connaissez? Ça aurait été un drame pour ces enfants, précisément, de ne pas l'avoir. Mm-hmm. Donc, comme quoi, comme c'est quoi. Formidable. C'est capital. Donc, faut encore, être vraiment... Et puis leurs parents, bien sûr, qui sont très satisfaits et très contents. Bravo. Donc, bravo. On est très contents. Bravo, on les applaudit et on est contents et tellement contents. J'ai pris... j'ai permis de prendre le téléphone parce que... Bah, c'est l'actualité, hein. Et c'est l'actualité, vous avez parfaitement raison. Donc, Ségolène Royal. Revenons à Ségolène Royal.